IMO, le congrès immobilier FNAIM. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Jérôme de Champ-Savin, président adjoint de la FNAIM. C'est une belle journée pour vous. Bonjour Christophe. Évidemment, c'est une belle journée. C'est le 70e congrès IMO FNAIM. Beaucoup de monde, beaucoup de sourires, beaucoup d'innovation. Des agents immobiliers contents d'être là. Des questions, du contexte, des réponses, des ateliers. On va justement faire un focus sur cet atelier. L'atelier qui vient de se conclure est sur la concurrence et la transparence, valoriser sa profession, le professionnalisme et aussi ses ressources. Qu'est-ce qu'il a été dit ? Alors, un atelier, beaucoup de succès, il n'y avait plus de place assise. C'est un atelier qui a pris naissance à la suite de l'autorité de la concurrence qui voulait remettre en cause nos honoraires, remettre en cause la prestation de l'agent immobilier. Donc, qu'est-ce qui s'est dit dans cet atelier ? En conclusion, allons chercher de la productivité. Conservons l'essentiel de la prestation de l'agent immobilier qui est d'apporter une prestation complète, apporter de la sécurité, apporter de la confiance, rédiger les actes. Tous ces éléments qui font que nous ne pouvons pas nous contenter d'une prestation dégradée. Autre approche, évidemment, était de dire, nous avons vécu 5 belles années, des gros volumes, dans une période où finalement l'intermédiation était hyper concurrencée. Et malgré tout, dans ce contexte d'hyper concurrence et de vente rapide, les professionnels de l'immobilier ont apporté de l'intermédiation à plus de 75%. Ça veut dire que cette clientèle de particuliers qui, dans un contexte dynamique, pouvait faire appel à n'importe quel modèle d'intermédiation, le particulier, le coaching en ligne, finalement, ils ont retenu le professionnel. Et finalement, ils ont retenu ce professionnel qui leur a pris des honoraires. Donc, finalement, il n'y a pas de sujet. L'agent immobilier est bien dans son rôle. Il a été plébiscité même dans un marché hyper dynamique. Donc, pour nous, l'agent immobilier a bien évidemment toute sa place. C'est lui l'acteur de la transaction. C'est lui l'acteur du syndic de copropriété. C'est lui l'acteur de l'administration de biens. Et à tous ces acteurs, un message à leur passer. Nous sommes en 2023, 2024, une année qui arrive, et un salon où on est ensemble. Et les gens écoutent. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire ? Ben en fait, j'allais dire que les congressistes qui sont ici sont des agents immobiliers engagés, qui viennent chercher de l'innovation, qui viennent chercher de l'énergie. Loïc Quentin, leur président, leur a donné, il va encore leur en donner demain. Donc, quoi leur dire de plus que de leur dire « Vous êtes bien à la FNAIM ». Vous y êtes bien, merci beaucoup Jérôme de Champ-Savin. Merci. Merci Christophe.